Salut tout le monde, c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon Rumble Rush pour continuer notre aventure. Donc j'ai farmé un petit peu hors vidéo. Donc là on en est à Magmar, donc je vais vous montrer un petit peu le farm que j'ai fait. Donc déjà hop, ça c'est bon, on va recevoir les petits mini rouages. Voilà. Tac. Donc là, Pokémon, voilà, vous avez Kalinos qui est 700, tout simplement parce que voilà, il a ça. Et par contre, j'ai eu de nouvelles invoques, je vous montrerai ça après. Et voilà, j'ai monté pas mal de rouages. Alors, petite, voilà, le rouage invoque que j'ai. Voilà, j'ai aussi là, le rouage invoque Crocodile, etc. J'en ai eu des nouveaux. J'en ai eu des nouveaux. Oui, j'ai eu Gravalanche, j'ai eu Whelmer. Oui, c'est bien Gravalanche, hein. Oui, c'est ça. Donc j'en ai eu pas mal, donc ça c'est cool déjà. Et donc du coup, on va continuer notre petite aventure. Là, on va battre le super boss du coup, Magmar. Donc ça va, hein. Normalement, je vais le défoncer facile parce que mon Kalinos, il a 709 de PC et le sien, il est qu'à 590, donc ça va être, on va dire, assez facile. Parce qu'on va se dépêcher parce qu'il nous reste que 2 jours pour atteindre Elector, donc on va essayer de l'avoir quand même. Oh oui, regardez-moi comment c'est easy. Tac. Après, il a quand même de la vie, hein. Il faut que je me dépêche parce que je vais pas arriver à le battre en vrai. Allez, 16 secondes. Hey, c'est pas facile en vrai. Tac. C'est bon, on l'a défoncé. On l'a défoncé les amis. Dans le temps imparti, donc ça c'est cool. Bon, les capacités feu sur un Pokémon feu, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est le seul que j'ai autant monté. Mon petit Kalinos, donc bon, on va en débloquer d'autres. Hein. Alors. C'est qui le prochain? Et c'est Brazegali, non? C'est Brazegali ça. Brazegali, ouais. Encore un Pokémon feu, bordel. Ok, bon, on va continuer. Alors, explorer. Un Limonde, je dois attraper. Il faudrait être peut-être par là. Grotte Pikachu. Ah. Bon, c'est pas grave. Pour le moment, on garde Kalinos. Et dès qu'on a débloqué plus puissant, on changera. Voilà, 519 déjà, Posipi, mais bon, je crois que j'ai pas la puissance, voilà. Hop, on va aller par là. Donc je vais continuer de vous faire, les amis, pas mal de vidéos sur Pokémon Rumble Rush. Histoire de au moins finir le jeu, on verra un peu jusqu'où on peut aller, jusqu'où ça va. Tac 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 tac. Alors, est-ce que je l'ai capturé? Oui. 521 Pikachu, ça va en vrai. Pas mal. Hop. Alors, est-ce que j'ai par contre en rouage? Est-ce que j'ai des rouages électriques qui sont plus puissants? Attends. Ah oui, j'ai pas assez de thunes. Merde. Ouais, j'ai pas assez d'argent. Ok.
recevoir du coup 6 de plus. Et voilà. Donc on va faire un petit tournoi les amis. On va faire celui-là. Voilà. Normalement ça devrait être facile. Mais c'est un Pokémon haut donc il faut faire attention quand même. Pour l'instant il m'enlève 0 vie, 0 point de vie. Voilà, bim, allez, Psychoquack, on l'a défoncé. On passe au suivant. Staros. Lui, il risque d'être beaucoup plus dur. Hop, on utilise un petit pief avec mon invoque, mon rouage invoque. Comme ça, on voit ce que ça donne. Et voilà, on a défoncé aussi Staros. Donc parfait, on a réussi du coup le tournoi. Ça va nous faire, je crois, c'est de la thune en plus. En plus, il m'en faut pour pouvoir améliorer Pokémon électrique. Alors, rouage renforcement. Parce que là, j'ai 2, 2, tac, 3, 3. Renforcé, 4000. Voilà, niveau 3. Effet 150, 150, 300, 5, 6, 7, 8. Voilà, normalement, je vais pouvoir prendre Pikachu à la place de Kaninos. Et pour en lui mettant, voilà, 150, 150, il gagne 300. Voilà. Donc, normalement, c'est bon avec ça. Et on va lui mettre, on va tester Crocodile. Tac. Voilà, donc là, il a 821, donc il est largement meilleur que mon petit Kaninos. Donc on teste, on voit ce que ça donne. Oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu moi. Forêt de je sais pas qui parce que le Pokémon est en truc en anglais. Ah, des poussifeux. C'est parti. Ok. Un Kaninos. Ok, petit Kaninos, on va te défoncer. Voyons voir ce que ça fait ça. Oh putain, c'était puissant ça par contre sur sur Kaninos. Ça passe. Alors. Hop. Un Limande, je sais pas où c'est qu'on va pouvoir trouver ça. Hein. Barloche, mais c'est pas Limande ça. Limande. Je sais pas si je vais le choper. Hein. Ça c'est fait. Bon, c'est souvent toujours pareil hein, ce jeu. Mais bon, j'aime bien moi. J'aime bien, ça va, ça me plaît. Là, j'aimerais bien réussir à aller avec Lector parce que bon, je crois qu'on peut pas le capturer en tant que Pokémon, Lector. Sinon ça serait trop cheaté, mais on peut l'avoir en rune invoque. Et quand t'as rune, quand t'as Elector en rune invoque, ça doit être sacrément pété quoi. Oh, un mini rouage, cool. Enfin un rouage. Et une petite plante. Ok, 527, pas mal.
Mini rouage. Hop. Ça, on va le mettre directement pour qu'il éclore rapidement. Voilà, 30 minutes, ça passe. Le temps de faire deux petites vidéos. Voilà, on passe à 150 de diamants. Parfait, il en manque plus qu'un. Toucher la montgolfière de notre aventurier. Ouais, ça va être simple. On va aller là. Alors, prairie galifeux. Ah, voyons voir un peu. Ah, cool, encore lui. Ah, bah, tu vois, je l'avais pas lui. Flamme à joue, nickel. Tac tac. Galifeu, on va l'avoir facile, hein. On va le défoncer avec crocodile du coup. Pac pac pac. Bon, j'ai quand même hâte que Pokémon Master sorte là sur Android, là il sort normalement le fin du mois d'août. Donc ça nous laisse un peu de temps pour farmer quand même du Rumble Rush, parce qu'après je vais farmer le Pokémon Master. Hein. Voilà. Galifeu, bon, tu vois, on l'a capturé aussi. 435, c'est parfait ça. Poussifeu, flamme à joue. Ok. Donc là, c'est bon. Faut que je capture un Limonde. Attends. Là, ils sont capturés. Là, il me reste que Hypocéan, mais je l'ai déjà. Et là, il n'y a pas de Limonde non plus. Peut-être un plus dans cette zone-là, un Limonde. Hippopotas, peut-être qu'il y aura un Limonde dedans. Oui, un Limonde. Yes, on va pouvoir faire Brasigali. Ah, il veut pas se capturer. Hein. On va devoir le refarmer la zone. Et bon, on a la zone où c'est qu'il y a Limonde maintenant. C'est nickel. Pokémon Hippo. Allez hop. Là je m'en fous d'Hippopotas, là c'est Limonde qu'il me faut au moins juste pour les prérequis. Allez. Maintenant qu'on sait où c'est. C'est parti. Il faut qu'on farme là maintenant. C'est du farm, c'est que de ça. Hein. Yes, je crois qu'on l'a eu. Yes, Limonde. Allez, on va pouvoir se faire Galifeu. Brasegali. Du coup, ça va, si par épisode on arrive à se faire deux.
deux super boss, ça va aller assez vite. Là, je vais pas mal le farmer, du coup. Yes, un autre mini rouage, cool. Et deux plumes. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, les gars. On va y arriver. Là, ça, vous avez vu sur la chaîne, se développe pas mal les jeux mobiles. Là, j'ai DB Legends, Pokémon Rumble Rush et Brawl Star qui va arriver là bientôt. J'ai commencé à tourner quelques vidéos. Enfin, au moment où je tourne ça, j'ai pas encore commencé. Mais ça va arriver très vite. Parce que Brawl Star, j'ai regardé quelques vidéos et tout ça, ça m'intéresse pas mal. Donc, à voir un peu ce que ça va donner. Puis surtout, c'est des jeux gratuits, donc au pire des cas, je perds pas grand chose. Tac. Donc, on a l'immonde. On a chopé l'immonde. Déjà, attendez. On va déjà faire un truc. On va déjà faire un truc, c'est quand même faire ça. Voilà, déjà, hop, on envoie ceux-là. Voilà, déjà, on va faire ça. Ensuite, du coup, on va combattre notre petit Galifeu. Maintenant qu'on peut le défoncer, le prochain, ça sera... je sais plus comment il s'appelle, Voltali. Allez, à l'attaque. En plus, on a le Rune Invoke, c'est un Pokémon haut, donc ça va être parfait. Faut qu'on le capture ce petit Brazegali quand même. J'espère qu'on va l'avoir. Allez, vite, vite, qu'il invoque. Allez. Ah, j'ai pas réussi. On n'a pas réussi. On va réussir. C'est juste que avec la souris, c'est pas facile. C'est pas facile avec la souris parce que du coup, là, il a tendance à faire des esquives tout le temps. Et c'est chiant. Parce que je joue sur émulateur. On va se le défoncer, t'inquiète pas. Allez. Allez, allez, allez. On y est presque. Oui, on a réussi.
Ah là là, faut vraiment que j'arrive à améliorer mes mini rouages, etc. pour avoir chaque type bien, parce que là, avec par exemple type électrique contre type feu, c'est pas forcément le mieux, quoi. Ouais, le prochain c'est Noctali. Là par exemple, il me faudrait un type roche, quoi, pour être vraiment efficace. Allez. On peut déjà l'affronter? Vas-y, on va tenter. Allez. Oui, on va tenter avec Pikachu. Si on n'y arrive pas, on fera avec un. On refera, mais on va tenter. Ouais, je vais pas y arriver, mais j'y suis presque, hein, en vrai, hein. Il manque pas grand-chose, hein. Non, j'y suis presque. Presque les gens avec Pikachu comme ça. Mais non, il va falloir que je monte, que je trouve des Pokémon plus puissants. Donc voilà, bon bah les potes, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Donc c'est un épisode un petit peu long, je suis désolé, mais bon, au moins on a pu faire deux super boss. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans le jeu, quel Pokémon vous utilisez, si vous avez des techniques pour monter plus rapidement les rouages, etc. N'hésitez vraiment pas. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à la fois prochaine. Ciao ciao!